On fait des films, c'est pas simplement sur le voyage géographique, mais c'est des voyages auprès des autres. Mais ces 10 ans, c'est pas un travail, c'est pas dur, c'est pas accablant, c'est 10 ans de bonheur. On a l'impression d'être un poisson parmi les poissons ou un loup parmi les loups. Mais parfois, d'être trop proche des animaux sauvages, ça pose quand même des risques. Tous les caractères sont aussi chez les animaux. Si on veut bien vivre en présence des autres, des animaux, il faut laisser la nature tranquille. Et alors, vous avez envie de faire un film en Chine? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons-en. Après avoir parcouru le globe à tire-d'aile avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans en compagnie des baleines et des dauphins, Jacques Perrin et Jacques Luzeau reviennent en Chine avec leur nouvel opus sur des terres plus familières, Les Saisons, qui nous propose de revivre 20 000 ans d'histoire par le prisme des forêts d'Europe. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'inviter sur notre plateau ces deux réalisateurs, messieurs Jacques Perrin et Jacques Luzeau. Bonjour, bienvenue. Ni hao. Monsieur Jacques Perrin, oui. Acteur, producteur, réalisateur, vous avez tenu tous les rôles qu'offre le cinéma. En tant qu'acteur, vous collaborez avec les plus grands cinéastes dans les années 1960, Costa Cavras, Claude Chabrol et Jacques Demy. En 1968, vous fondez votre propre société de production, Recan Films, devenue par la suite Calaté Films. Puis, vous vous consacrez de plus en plus à la production et à la réalisation. Passionné de la nature, vous commencez à faire une série de documentaires à partir des années 1990, dont les plus célèbres, Microcosmos, Le Peuple de l'air, qui obtient le César en 1997 du meilleur producteur, Le Peuple migrateur, avec une nomination à l'Oscar 2003 du meilleur documentaire, Océan, le César 2011 du meilleur documentaire, et Les Saisons, votre dernier film sur les animaux sauvages. C'est bonjour. Parfaitement juste. Bonjour. Bonjour. Ravi. Monsieur Jacques Luzeau, réalisateur, vous débutez votre carrière dans les années 1980 sur des films pour le cinéma et des séries télévisées. C'est à partir des années 2000 que vous travaillez avec Jacques Perrin pour des co-réalisations de documentaires animaliers, Le Peuple migrateur, Océan et Les Saisons. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Les Saisons racontent l'histoire du territoire européen au fil des siècles, mais du point de vue des animaux. Il s'agit d'un voyage à travers le temps. Quels animaux peuplèrent ces forêts et que sont devenues ces espèces? Sans plus tarder, la bande-annonce de ce film. La forêt est l'héroïne de votre nouveau long métrage. Souvent, lorsqu'il s'agit de faire un film sur les animaux sauvages, nous viennent à l'esprit des territoires lointains, comme par exemple l'Afrique. Mais dans Les Saisons, vous parlez surtout de l'Europe. D'où vous est venue cette idée? Justement, l'idée, elle est devenue en réaction à ce que l'on avait fait auparavant. Et les films auparavant faisaient preuve d'exotisme. On ne tournait pas en Europe, donc on allait tourner la nature sauvage, c'était en Afrique. Et puis la mer, l'océan, et c'était l'océan toujours le plus lointain, toujours pour éblouir le spectateur, non pas simplement européen et mondial. Et on choisissait toujours très loin de chez nous, comme si c'était beau que si c'est loin, comme si c'était fascinant que si c'est loin, et on a voulu rétablir les choses. Et rétablir les choses, on a voulu faire un film sur l'Europe. Seulement, l'Europe, au niveau des animaux... Un territoire proche de vous. Oui, mais la nature, elle est très pauvre. Donc on avait un débat, on avait un problème, et on s'est dit, la seule solution, c'est de faire, non simplement dans l'espace, géographie, mais de faire un film dans le temps.
Et donc, quand vous dites il y a 20 000 ans, c'est un peu ça, c'était il y a 12 000 ans, quand il y a eu un réchauffement climatique, donc la terre a commencé à se réchauffer et les arbres sont apparus. Et pas simplement que les arbres, les forêts. Et les forêts étant là, ont appelé les animaux. Et ça a été la prodigieuse diversité. Donc on voit que l'Europe, il y a eu aussi des forêts, il y a eu aussi des territoires et des chemins dans lesquels il y avait une foule d'animaux pour montrer que nous ne sommes pas qu'un continent qui est à l'arrière de l'expression de vie que l'on trouve encore actuellement en Amérique du Sud, en France et en Afrique. Vous avez tourné dans plusieurs pays européens, en France, en Roumanie, en Pologne. Comment avez-vous choisi les lieux ? Oui, alors nous avons tourné en Pologne, vous le signalez, et on a choisi la Pologne parce que c'est le seul endroit en Europe où on peut trouver un décor qui ressemble à ce qu'était la forêt ancienne européenne, la forêt de plaine. Parce que cet endroit a été longtemps le terrain de chasse des tsars. Donc il était interdit d'y tuer des animaux ou d'y couper des arbres sous peine de mort. Donc c'était une protection très efficace. Et puis après, à la disparition des tsars, à ce moment-là, c'est devenu un parc national. Donc l'endroit, depuis 500 ans, vit librement. C'est-à-dire que personne ne coupe les arbres et donc le décor ressemble à ce qu'était la forêt primaire européenne. Donc nous avons tourné dans cet endroit et ensuite nous avons cherché dans différents autres lieux des décors qui ressemblaient à une forêt primaire. Et les animaux ? Comment vous avez choisi ? Vous nous avez montré un spectacle inconnu des animaux que nous avons très peu l'occasion de voir. On en a peu l'occasion dans certains pays d'Europe, comme la France, mais quand on va en Pologne, quand on le dit, en Pologne, on trouve des bisons, d'une façon importante. Il y a la forêt de Wilowidza, où on trouve des troupeaux de bisons extraordinaires. Et puis, il y a les ours, et nous sommes allés en Pologne, et là, il y a des ours en liberté. C'est-à-dire que vous allez dans la forêt le soir, au bord des rivières, et faites attention, parce qu'il y a des grosses bêtes qui viennent, et ils sont pas, je ne crois pas qu'ils soient terriblement dangereux, mais ils sont en tout cas impressionnants. Donc ce qui veut dire que dans les parties d'Europe, il y a toujours la forêt sauvage qui existe, alors qu'en France, elle est beaucoup plus pauvre, mais on crée des réserves en France, en Allemagne, en Italie, et en même temps, quand on crée des réserves, on protège la nature, et bien, c'est-à-dire on la laisse tranquille, et bien ça repart. Les plantations, les arbres, tout ça, ça repart, et les animaux reviennent. Donc, si on veut bien vivre en présence des autres, des animaux, il faut laisser la nature tranquille. Vous avez fait beaucoup de recherches sur les animaux et les lieux pour tourner. Combien de temps vous a-t-il fallu pour la préparation et les recherches ? La préparation a duré un an et demi à peu près, et à la rencontre des spécialistes des différents domaines. Et comme le voyage se produit dans le temps aussi, on n'a pas simplement été devant des spécialistes des sciences naturelles, connaissant le comportement des espèces, mais aussi auprès d'historiens, auprès d'archéozoologues, des gens qui pouvaient nous dire à quoi ressemblait l'Europe il y a 15 000 ans, à quoi ressemblait le Moyen-Âge, quels étaient les arbres, de quoi étaient faites les haies, voilà, à quoi ressemblaient les paysages. Et ça, c'est une science qui évolue en permanence, et les gens étudient les pollens et peuvent nous dire aujourd'hui, eh bien, quand les Romains sont arrivés, voilà, les espèces étaient là, à tel endroit, on y trouvait tel type d'arbres, tel type de buissons. Donc vous avez plusieurs équipes, vous travaillez tous en même temps ? Oui, tous les films que l'on a fait, on a de 2 à 4 équipes et on travaille dans le même temps. Donc c'est-à-dire que les durées des tournages, c'est le temps général, 2 ans, 1 an et demi, mais il faut le multiplier par le nombre des équipes. Et là, ça nous donne la durée de l'ensemble du film. C'est 5 ans, 6 ans, 7 ans pour Le Peuple Migrateur et Océan. C'est 10 ans pour faire un film. Mais ces 10 ans, c'est pas un travail, c'est pas dur, c'est pas accablant. C'est 10 ans de bonheur. Vous savez ce que c'est que de vivre dans la nature quand vous attendez le beau temps. Mais le beau temps au cinéma, c'est la pluie, c'est l'orage aussi. Donc on vit en contact avec les représentations naturelles de ce qui vit autour de nous. C'est une chance que nous avons. C'est un voyage, ça fait partie de la vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comparé à vos deux précédents films, Le Peuple Migrateur et Océan, vous avez mis seulement 18 mois pour le tournage.
contre 4 ans pour Océan, a-t-il été plus facile de tourner les saisons? C'est-à-dire moins de défis cette fois? Non, je pense que la mer est un sujet difficile. Parce que il faut beaucoup de temps pour faire un film sous-marin. Les conditions ne sont pas simplement le fait d'avoir du soleil, il faut aussi qu'il y ait de la visibilité sous la mer. Donc, et les temps de prise de vue aussi sont beaucoup plus courts, même si les plongeurs ont des bouteilles qui leur permettent de rester longtemps. Donc un film sous-marin, c'est un film difficile et qui nécessite beaucoup de temps, surtout quand le film n'est fait que de scènes de nature. On peut voir des films où on interviewe les spécialistes et à ce moment-là, il y a quelques scènes de mer avec les animaux, mais c'est bref et ça prend peu de temps. Or, nos films sont une immersion totale dans le monde animal. On ne voit personne raconter quoi que ce soit ou apparaître pour expliquer les choses. Donc le temps est la denrée précieuse qu'il nous faut pour faire ces films. Durant le tournage, vous avez beaucoup parlé de la technique d'imprégnation pour approcher les animaux et gagner leur confiance. Une technique que vous aviez déjà pratiquée dans Le Peuple Migrateur. Et dans les saisons, cette technique a été utilisée auprès de quels animaux? Elle a été utilisée avec les loups, utilisée avec, le lynx, avec les sangliers, avec les cerfs et... avec quelques animaux, le lynx il était tout seul, mais les autres c'est des animaux qui sont en groupe. Donc on les imprègne. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut pas se tromper. Imprégner, ça ne veut pas dire dresser. Dresser, absolument. Donc on imprègne les animaux de façon à ce qu'ils soient libres en restant à côté de nous. Et restant à côté de nous, on devient, lorsqu'ils sont tout petits, on devient leurs parents de production, de protection. Donc ils sont à côté de nous, ils sont tranquilles et ils n'ont pas peur. Donc c'est une famille de substitution. Et on arrive à des choses, c'est-à-dire que les animaux sont libres bien en étant à côté de nous. Mais ils sont à côté de nous, ils ne sont pas sauvages, mais ils sont libres. Donc ils s'amusent, ils courent à droite et à gauche, toujours à nos côtés, sans être dérangés par nous. Donc c'est une façon d'approcher différemment la nature, mais c'est un bonheur. Parce que de vivre en harmonie avec les animaux, quel bonheur! Mais parfois, d'être trop proche des animaux sauvages, ça pose quand même des risques. Avez-vous des précautions pour éviter les dangers? Quand on parle d'animaux imprégnés, on travaille alors avec des animaux qui n'ont pas peur des hommes. Donc en fait, le danger... Alors bien sûr, il y a une attention, il y a un respect, il y a une connaissance, il y a une discrétion à avoir. Quand on pense aux loups, dans un groupe de loups, il y a des loups qui sont assez familiers. Et puis il y en a d'autres qui sont plus inquiets, qui sont plus sournois. Tous les caractères sont aussi chez les animaux, quels qu'ils soient. Donc il faut toujours une prudence, mais il faut savoir que, les loups, par exemple, étaient au quotidien avec des collaborateurs à nous, humains, qui savaient aussi nous mettre à leur place et qui les connaissent très très bien pour qu'il n'y ait pas de danger, justement. Qu'il n'y ait pas de danger. Et à chaque film, trouver l'outil adéquat pour suivre les animaux est la chose la plus importante pour vous. C'est ainsi qu'est né un scooter à quatre roues dans les saisons. Mais il faut aussi que les animaux s'habituent à cette machine. Oui, mais les animaux, bien souvent, ils s'y habituent en étant tout petits. Donc au départ, comme ils ont confiance avec nous, à nous, et qu'ils sont tranquilles, ils s'en amusent. Et puis, à un certain moment, cet accompagnement. Vous savez, on fait des films, c'est pas simplement sur le voyage géographique, mais c'est des voyages auprès des autres, auprès des animaux. On est à côté de leurs expressions, à côté de leurs regards, et en face d'eux. Vous savez, bien souvent, quand on regarde un être humain, on le regarde à la même hauteur. Et quand on regarde des animaux, d'une façon traditionnelle, on la voit de la hauteur du caméraman. Non, nous, on est à côté, on est devant, on tourne tout autour. Et c'est ça qui fait que la plus grande familiarité, la plus grande proximité nous rend un rapport tout à fait formidable avec les animaux. Les films animaliers sont différents des autres films. Cela nécessite beaucoup de patience pour capturer le bon moment. Comment s'est déroulée l'écriture du film? Avez-vous un scénario préétabli où vous êtes tenu ou avez-vous dû vous adapter?
Oui, on n'appelle pas ça un scénario. Un scénario voudrait dire qu'on va tourner exactement ce qui est écrit. Donc on emploie le terme guide scénaristique. On a un guide, une direction, avec des tas de scènes qu'on espère, qu'on a pu connaître, dont on connaît l'existence. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est justement ce qu'on ne connaît pas au départ. Donc le film va être en perpétuelle évolution, en fonction aussi de choses qu'on ne pouvait pas forcément attendre. Par exemple, on n'aurait jamais fait, pendant le temps du scénario, on n'aurait jamais eu l'idée qu'on allait pouvoir filmer des loups poursuivant des chevaux sauvages dans une forêt et que les loups et les chevaux soient ensemble, pour de vrai, dans la même image. Ça semblait invraisemblable. On s'est dit, mais il va y avoir des accidents, les loups vont manger les chevaux vont tuer les loups, etc. Et en fait, au fur et à mesure du tournage, eh bien, cette situation a été possible. Et ça, c'est quelque chose qui était inespéré. Donc, ce que l'on va chercher à partir d'idées, d'envie, eh bien, c'est justement ce qu'on n'a pas imaginé au moment d'écriture. Des inattendus. Des surprises. Des inattendus, exactement. Quelle est la séance de tournage la plus longue que vous a tenté depuis très longtemps pour un bon moment? Vous savez, quand on est très longtemps, c'est pas qu'on attend sans rien faire. C'est pas qu'on attend et on se dit aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il y a trop de soleil. On attend. On est tout le temps en préparation. On est tout le temps en train d'attendre le meilleur moment. Et ça favorise justement ce rapport intelligent, on peut dire, avec les animaux. Donc l'attention que l'on porte sur la nature et les animaux, elle est constante. Et puis de temps en temps, quand c'est vraiment très beau, clic, ça démarre. Et c'est en fait pas nous qui dirigeons. C'est la nature qui se dirige elle-même. C'est les animaux qui ont leurs expressions, qui sont comme ça, plein de liberté. Et à un moment, on se dit, c'est formidable, on n'y avait pas songé. Et puis on tourne. Seulement, on tourne en attendant le moment, mais ça demande, comme vous l'avez dit, une longue préparation. On improvise sans improviser. C'est surtout des conditions climatiques qui vous dérangent parfois. Pour que la scène soit formidable, il faut que toutes les conditions soient réunies. Il faut effectivement que les animaux soient au mieux de leur forme, nous acceptent. Il faut que la lumière soit là. Et c'est pour ça que c'est un moment magique, ce moment pour lequel on se prépare et qu'il faut parfois attendre effectivement longtemps. C'est un moment exceptionnel et c'est le moment que l'on cherche à obtenir. Y a-t-il une scène qui vous a le plus marqué au cours du tournage? Ben c'est ce qu'a dit Jacques, hein. C'est quand on lance des loups derrière des chevaux, c'est pas évident. Donc ils étaient chacun dans un enclos, mais à côté l'un de l'autre. Et puis ils se sont respirés, ils se sont reniflés. Et puis on sentait qu'ils n'étaient pas effrayés, qu'il y avait une entente possible. Et puis on a ouvert les enclos et tout doucement ils sont venus et on a lancé la course. Et lancer la course, c'est-à-dire il y a la Vespa, le scooter que l'on a avec quatre roues et qui permet de passer par n'importe quel accident de terrain, d'éviter les arbres, etc. Ce qui rend un compte rendu tout à fait fantastique, hein, haletant. Eh bien, ils ont joué, ils ont couru l'un derrière l'autre. Et c'était une joie, alors qu'on était persuadés qu'on allait tourner d'un côté les loups et d'un côté les chevaux. Non, ils ont marché ensemble. Donc, de temps en temps, on a des surprises, et des surprises heureuses, et c'est magnifique.
Vous êtes les premiers à admirer leur spectacle. Quelle est l'émotion la plus forte au cours du tournage? Je crois que c'est une série d'émotions permanentes. On parle là des loups, des chevaux, mais dans l'imprégnation aussi, et on a eu pour la première fois imprégné des tout petits animaux, des petits oiseaux qui sont grands comme ça, comme par exemple la mésange bleue, qui est un tout petit oiseau que l'on voit apparaître en hiver, au moment où, à la fin de la fonte des glaces, l'eau se remet à couler. Et donc nous étions sur un très grand plateau, avec beaucoup de vent, autour de cette source qui commençait à couler, et nous avions amené notre comédien, qui est ce petit acteur qui était là. Et puis alors, il a été se poser sur la fontaine, sur la source, et puis le vent a soufflé très fort, et d'un coup, on ne l'a plus vu. On s'est dit, où il est, il est disparu. Et en fait, il était caché, juste sur la caméra derrière, il s'était mis à l'abri, avec nous, tout près de nous. Donc l'émotion, elle est que... Quand on voit un loup, par exemple, on sent quelque chose de fort. Mais quand on voit aussi un tout petit oiseau qui vient se protéger auprès de vous et qui reste avec vous alors qu'il pourrait s'envoler et disparaître à jamais, c'est aussi une émotion très très forte. Dans ce film, il y a très peu de commentaires, seulement 6 minutes. N'avez-vous pas eu peur que ce soit un peu lassant pour les spectateurs de regarder un film d'une telle longueur sans autre bruit que celui de la nature? Si on écoute tous les bruits de la nature, si on écoute tous les chants des oiseaux, si on écoute les appels de toutes les bêtes de la forêt, mais ce n'est pas 1h30, c'est pas long, c'est un rien de temps. Donc les gens qui aiment la nature... Et il suffit d'y aller pour la découvrir et l'aimer. Mais ils peuvent rester une journée entière. Et quand le soir arrive, on a dit on rentre, non, on ne rentre pas. Il y a encore des bruits, des sons complètement différents. C'est un bonheur. Et donc, ce qu'on essaye de faire, comme beaucoup de gens ne vont pas dans la nature, parce qu'ils sont citadins, parce que ça leur semble très loin, on leur porte avec nos films, on leur porte la nature chez eux. Eh bien, ils se rendent compte que c'est agréable. Et s'il y avait un commentaire, c'est-à-dire qu'on raconterait notre histoire. On ne veut pas raconter notre histoire. On veut montrer la vie dans la nature telle qu'elle est. Et on s'aperçoit que la nature elle-même fabrique des histoires. Et des histoires qui sont particulières à chacun des spectateurs. Parce que quand on voit des animaux, on pense tout de suite, quand on était enfant, « Ah, je me souviens, j'avais vu un enfant. » Et ça vous rappelle des tas d'autres images dans l'imaginaire, dans nos souvenirs. Et donc, il y a une rencontre entre les souvenirs et les images projetées. C'est ce qui fait que laissons la nature parler et nous soyons très, très discrets. Vous faites aussi apparaître les hommes dans vos documentaires. Peut-être c'est pour montrer l'impact de l'homme sur la nature. Mais certains spectateurs ressentent de la rage vis-à-vis de l'homme après avoir vu vos documentaires. Qu'en pensez-vous? Oui, l'essentiel des films se passe auprès du monde sauvage. Mais à certains moments, il y a une rencontre avec l'homme. Elle a été dramatique dans Océan, puisqu'on était avec les poissons, et puis d'un coup, on était pris à l'intérieur du filet. Ou bien on était avec les requins, et on se trouvait attrapé, grimpé sur un bateau, et voir les ailerons coupés. Donc effectivement, ces moments qui sont très très courts dans nos films, sont ressentis très fortement parce qu'on a mis le spectateur en empathie avec l'animal. On a l'impression d'être un poisson parmi les poissons, ou un loup parmi les loups. Et puis d'un coup, quand un loup est tué, à ce moment-là, on ressent très très fortement cette émotion. Être amateur de la nature, est-ce que c'est d'être contre la pêche dans la mer, contre l'agriculture dans les champs? Est-ce que c'est être végétarien? Pas forcément. Je veux dire, c'est vivre avec pondération. Ce qui est inexcusable, ce qui n'est pas admissible, c'est qu'on torture les animaux avant de les tuer. On les torture. On les laisse croupir dans des bouges infâmes, dans lesquelles il n'y a que de la saleté, on les lève. Et quand on les traîne véritablement dans la chambre d'exécution, ça c'est lamentable. Ça c'est lamentable. Bon, vous savez, être prédateur, ça fait l'histoire de l'homme. Hein. Depuis 20 000 ans, l'homme est prédateur. L'homme, comme beaucoup d'animaux, mange l'autre pour survivre. Mais ce qui n'est pas bien, c'est aujourd'hui, c'est l'industrialisation de la tuerie générale. De temps en temps, ce n'est pas utile. Quand on a des bateaux de pêche, des chalutiers
et qui, avec des filets énormes, rapportent des tonnes de poissons dans des immeubles de haute mer, c'est-à-dire dans des chalutiers énormes. Mais pourquoi tout ça? Ce qui était très beau, effectivement, c'est la pêche tranquille, d'aller au bord de l'eau, de pêcher un poisson pour pouvoir revenir et manger chez soi. Alors on ne peut pas toujours faire ça. Mais il y a une pondération, on fait attention à la nature. Quand on voit, on arrive dans un endroit, y a trop d'arbres, allez, on va couper les arbres comme ça, on sera mieux. On est moins bien. Donc il faut comprendre que tout ce que l'on fait au préjudice de la nature, ce sont des souffrances pour nous-mêmes de bien-être que nous fabriquons. Dans les saisons, vous parlez surtout des animaux de l'Europe. En août est sorti un documentaire Boring China, une coproduction entre un groupe chinois avec Disney, et consacré à trois familles d'animaux sauvages, mais en Chine. Est-ce que vous avez vu? C'est épatant le film, c'est formidable. C'est formidable parce que le réalisateur a réussi à approcher le léopard des neiges. Je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes qui en rêvaient. Et lui, il n'en a pas rêvé, il l'a réalisé. Donc on est à côté du léopard, on le voit se balader dans son territoire, épier, regarder, préparer ses chasses. C'est étonnant. Il y a le panda, l'animal symbolique de la Chine. Ok, c'est très bien. Mais vous savez, le panda, quand vous allez voir dans sa province, eh bien, le panda, il est bien, mais enfin... Il mange sa racine, bambou. Je ne sais plus, le bambou, il mange son bambou. Et puis de temps en temps, il bouge, il fait ça, quoi, il regarde. Ils sont très paresseux. Mais là, dans le film que vous dites, Born in China, mais c'est formidable parce qu'il y a les bébés. Et les bébés jouent, montent sur l'arbre, et il y a les parents qui essayent de le rattraper. Il y a une vie que moi, je n'imaginais pas. Et donc, je croyais que c'était joli, mais on allait s'endormir un petit peu avec le panda. Non. C'est tellement charmant. Et puis, qu'est-ce qui reste? Dans tous ces films, c'est le léopard des neiges. Il y a quelque chose, un regard qui est porté sur la nature sauvage. Et c'est touchant. Et on s'amuse et on est touché. Quand on voit les rapports entre les plus petits et puis les adultes, on s'aperçoit de toute la tendresse. On s'aperçoit des gestes. Et de regarder comment se manifeste la tendresse en dehors de nous, non, chez les animaux, c'est la même chose, les mêmes gestes, les mêmes précautions. Bah oui, c'est un très beau film. Et je pense que dans le monde, il marchera bien aussi. Et alors, vous avez envie de faire un film en Chine? Oui, bien sûr. Mais vraiment, vraiment, un film. Mais c'est bien trop tôt pour en parler. En tout cas, c'est un rêve, c'est une volonté aussi. Et le jour viendra, pas trop lointain, où on commencera à faire un film sur la Chine. La sortie de votre dernier film, Océan, a eu beaucoup de succès en Chine et a pris la tête du box-office des documentaires étrangers en Chine. Et cette fois, avec les saisons, quelle réaction attendez-vous de la part des spectateurs chinois? Ce que l'on attend, vous savez... On tourne pendant longtemps, pendant des mois, pendant des années, en espérant, en se faisant plaisir, mais pas seulement ça. On a une rigueur. On veut qu'il y ait une véritable écriture. On veut que ce soit précis et qu'on ne se fasse pas plaisir. Les films, moi, j'adore les choses et ça devient une complaisance de joli. Non, on ne veut pas que ce soit esthétique. On veut que l'esthétisme que l'on regarde soit dans la vie. Et quand on s'aperçoit que le travail que l'on a fait, on est comme... l'arbre de transmission entre la nature qui est là et le spectateur. Et on fait qu'entre les deux, il y a des images qui se rejoignent. C'est la nature qui rejoint le spectateur. Et s'il se trouve heureux, on n'a pas démérité. Et là, de savoir que nos films sont bien accueillis, il n'y a pas de plus grand bonheur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme ce que dit M. Jacques Perrin, ces films ne sont pas des cours de sciences naturelles, ni annonciateurs de catastrophes. Ils souhaitent que les gens s'interrogent. Donc nous devons nous interroger sur les relations entre l'homme et la nature pour avoir un meilleur avenir. Nous devons la protéger dès maintenant. Et il n'est jamais trop tard, mais c'est urgent. C'est parfaitement dit. Merci. Et merci à nos téléspectateurs. Merci de nous suivre tous les samedis sur CCTV français. À la prochaine.